Baby, yeah. Baby, come on. Pierre Marcolini, artisan chocolatier en région bruxelloise, champion du monde en pâtisserie en 1995. Artisan chocolatier avec une particularité, celle-ci, c'est le fait de pouvoir à la fois maîtriser le processus de la fève à la tablette. C'est ce qu'on appelle le mouvement Bean to Bar. Alors le chocolat belge, c'est quoi? Le chocolat belge, d'abord, c'est une jeune nation au début du XXe siècle, des créateurs, des gens qui ont bouleversé le monde du chocolat, qui ont commencé à faire des associations incroyables, qui ont commencé d'abord par être innovants, créatifs, tant sur la forme que sur le goût. Et puis aujourd'hui, cette génération que vous avez devant vous, que ce soit moi ou d'autres, eh bien on reprend le relais. On reprend le relais de quelle manière? On reprend le relais en partant justement cette innovation, en se disant, est-ce qu'aujourd'hui on peut réinventer le chocolat belge? Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Alors comment on va nourrir la planète en 2050? Au niveau du chocolat, il y a des solutions. Elles ne sont pas brillantes, soyons clairs. Aujourd'hui, on est occupé à travailler sur des arbres hybridés. Un cacaoyer, ça pousse entre 4 et 5 ans. Et aujourd'hui, il y a des cacaoyers qui s'appellent les CCN50 et CCN51. C'est vrai que ça fait peur, qui poussent en 18 mois. Alors est-ce que c'est la solution? Je pense que la meilleure alternative, c'est peut-être la rémunération. À quoi va ressembler le monde du chocolat en 2050? Eh bien, je pense qu'il y en aura deux mondes. Il y aura le monde de l'industrie, où on aura des chocolats qui n'auront ni de goût, ni de saveur. Et puis, on aura le monde de l'artisanat, qui va mettre en avant, enfin, le terroir qu'on peut trouver dans le cacao. C'est-à-dire, à la fois comprendre que le cacao, c'est comme les cépages dans le vin, eh bien, il y a une diversité. Et c'est ça qu'on aura en 2050.